Bon bah c'est parti pour la brocante du 17ème. Elle est juste ici. Et on va voir si on trouve des trucs parce qu'il est plus de 7h. Bonjour, vous avez fait combien la console? La blanche là. Ouais. 40. T'as pas d'autres jeux à part ça? T'as pas des jeux Et ça sinon tu fais combien? C'est la 100. 100, d'accord. Ok. Tu avais combien la GameCube? La GameCube, vous avez une manette avec qui est là, je fais à 40. Ok. T'as pas des jeux par hasard, non? Non, non. Les jeux sont partis à ce moment-là. Ok. Slavi, où je dors, Slavi? Je ne sais pas les monnaies. Je suis actuellement à la porte des Colombes. Je vais dans une école, on va voir s'il y a des choses. C'est le propre à Colombes, regardez. Il y a plein de choses déjà. Donc il est 8h, c'est parti pour les greniers. Vous avez que ça en jeu? Vous okay. Croyez pas. Merci. Bonjour, vous faites à combien les mangas? 3€. 3€, ok. Et c'est tout ce que vous avez en jeu du coup? Ouais. Ok. Bonjour. Bonjour, vous avez à combien les mangas? Le manga, l'unité. À l'unité, je crois que c'est... Vous en prenez plusieurs ou pas? Si je prenais le lot par exemple, vous faites à combien? Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, alors, choisis l'unité. Bah, regardez les mangas. Bah, si. Je vous crois un prix, d'accord, monsieur? Alors, attendez, d'accord. Je vais regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 pour le prix. On fait de quoi? On fait. Je vous fais à 15€ les 16. Bonjour, tu fais combien le jeu? Ah, bah, c'est marqué. C'est marqué. Les prix différents. D'accord. Bonjour, vous faites à combien le jeu? 5€, monsieur. Je pense pas que ce soit très grave. Bon, cette brocante est terminée pour celle-là. Il y en a une autre de l'autre côté, là. Toujours tout droit. Peut-être sur 2 km quand même à faire à pied. Bon, je vais pas prendre le bus. Mais j'ai quand même rempli le sac. Regardez. C'est un sac rempli à ras-bord de manga. Donc, à 50 centimes pièce et voire 1€, ça se prend. Donc, on voit la deuxième brocante qui se trouve juste là-bas. Là, exactement. Bon, comme quoi, il n'y a pas que nous qui vont envie de grenier. Regardez, il y a un escargot qui fait envie de grenier. Bon, on est pour ça, on est. Le grenier, il est là-bas. Donc, on prend un conseil. C'est ça qui est par ailleurs. Bonjour, c'est combien les jeux? Oui, vous voulez que je le garde? Là, les jeux, je les vends à. Bonjour. Ça, je les vends à 20€. C'est combien du coup le jeu? Merci beaucoup. Alors, donc je disais, c'est à. C'est quoi, j'ai mis à 20€? Mince. Attendez, je ne sais pas, je le vends à. Ça vaut dans les combien à peu près? Je vais arriver à 2 euros. Il y a un château ici, on va pouvoir dans un. On va pas là, ça. Un truc de ouf. Bonjour, tu les fais combien les mangas? Ça dépend. À l'unité, tu fais à combien? Ça dépend des séries. Les Demon Slayer par exemple. Les Demon Slayer, attendez, je vous dis ça tout de suite. Ils sont à 4. Ok. Vous le faites à combien les jeux? 2€. 2€. Vous pouvez faire des vérifier. Ouais, ça peut ça a tout très bien. Les Blu-ray, vous les avez à combien? 4€ les Blu-ray. Bon, 3€ okay. Les Blu-ray et 2€ les. D'accord, je prends juste merci les gens. Merci à vous. Je prends juste. C'est combien le manga? Combien? 1€ Bonjour, vous êtes à combien le manga? Les mangas ouais. C'est 1,50€. Si je vous en prends plusieurs, vous me faites un prix? Tactile. L'autre, tu fais combien le jeu? Là, on est sur des jeux, hein, on les fait à 5€. Ça te fait à 3€? Un magnifique château, là, vous pouvez le voir, super beau. On a la garenne, on ne dirait pas comme ça.
Enfin, c'est pas mal. On est dans une école, hein, je pense. Je sais pas si c'est une école ou un lycée. Je pense que c'est plus un lycée. Hein. C'est sympa, regardez. On se croirait en Antéville. Vide. Bon, bien sûr, il y a du manga et il y a du jeu PS3. Ouais, il n'y a que du jeu PS3. Dans les deux brocantes, dans celle-là, j'ai récupéré tout le jeu PS3. Vous voyez, ça va jusqu'à là-bas. Il y en a aussi là-bas, dans le stade. Il y en a partout. C'est pas mal. Bon, après, il y a des prix what the fuck. Hein. On continue la chasse. Là, vous faites à combien celui-là? 2 euros. 2 euros? Ok, je prends. Je suis à la troisième brocante, comme vous pouvez le voir, c'est déjà bien rempli et j'ai déjà trouvé un jeu à 2 euros. Il est juste ici, là. Regardez. Hop, le Shadow of Colossus pour 2 euros. Bonjour, vous êtes à combien pour savoir le prix? Le long est acheté, la Wii est à 40 et Xbox 50. D'accord. Par là, vous n'avez pas de jeu avec? Non, j'ai pas de jeu, j'ai que c'est, okay. C'est des jeux de Xbox. Ah oui, c'est des accessoires. Ah oui, c'est une Xbox. Ouais, parce qu'il y a tout, hein, c'est en lot. D'accord, regarde. Assassin's Creed. Je ne sais pas si... Ouais, c'est propre. Et les robots qui sont dans la boîte, ils sont combien? 5 euros pièce. D'accord. J'avoue que ça me tombe bien. Ah oui, c'est vrai. Je n'ai rien, mais... J'avoue que je cherchais celui-là. Ah ouais? Ouais. Celui-là, je l'ai. Il n'a jamais joué, comme il est pas. Je vois ça. Hein. Je vois ça, ou alors je sais pas comment il aurait fait pour y jouer sans... Ah bah non, là, c'est pas possible. Vous ferez combien les deux, là? Bah, les deux, disons... Vous n'avez pas de jeux vidéo par hasard? Et c'est parti pour le compte rendu de vide-grenier. Et vous allez voir ce que j'ai récupéré dans ces vide-greniers. Il y en a eu un petit paquet. J'ai récupéré pas mal de choses. C'est l'extase. Donc, je vais vous montrer ce que les ratisseurs ont loupé. Déjà, on va commencer par un petit jeu de Mega Drive. C'est le seul, il me semble. Oui, c'est celui-là. C'est le seul. C'est le F22 que je ne possédais pas dans la collection. Et c'est la collection Electronic Arts. Vous la connaissez assez facilement parce qu'ils sont jaunes en bas et noirs en haut. Et puis en plus, c'est marqué Electronic Arts. Donc ce jeu, je l'ai payé 5 euros. Malheureusement, il n'y a pas la notice et la cartouche, j'avoue, elle tient pas dans son truc. Oh, ça va. J'ai réussi à rabattre les petits tétons là, qui sont là. Donc ça tient encore. Donc le jeu F22. Donc j'ai récupéré ce jeu, le F22, pour la somme de 5 euros. Et ça rentre dans la collection. Deuxième jeu que j'ai récupéré pour la somme de 1 euro, c'est, je crois que c'est 1 euro ou 2 euros, je sais plus. Je ne rappelle plus les prix, ça doit être 1 ou 2 euros. J'ai récupéré le Amazing Spider-Man sur la Wii et là en édition complète avec la notice, tout ce qui me semble que je l'avais, mais il n'y avait pas la notice. Donc je récupère ce petit Amazing Spider-Man, je crois que c'était 2 euros le jeu. Bon, il n'est pas trop rayé, ça va. Il y a la notice. La notice elle est dedans, il y a le CD et bien sûr c'est en français. Je récupère ce Amazing Spider-Man pour la somme de 2 euros. Pour la somme de 1 euro, je récupère un Blu-ray d'un manga. Ça s'appelle My Hero Academia. Bon, par contre, il n'y a pas le fourreau, tout ça. Bon, j'ai même pas négocié parce que 1 euro, hein, c'est plus que raisonnable. En plus, c'est en Blu-ray, comme vous pouvez le voir. C'est marqué ici, il y a un B. Bon, là, moi, je crois qu'il doit y avoir un fourreau. Et à l'intérieur, il devait y avoir, je crois que c'était des badges qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait 2 CD. Donc, c'est des épisodes 1 à 13. Donc, c'est en Blu-ray. Et bien sûr, c'est en français, je suppose, ouais, épisode intégral, oui, c'est en français. Et en plus, je pense que c'est le premier box, ouais, c'est ça. C'est le premier box, donc il manquera juste le fourreau. Bon, après, pour la somme d'un euro, on va pas chipoter. Dans un lot de jeux PS3, je récupère dès le Lego Star Wars Complete Saga. Bon, malheureusement, j'ai pas fait gaffe, mais il est en anglais. Donc, ça partira à l'échange, à la revente, on sait pas, on verra.
Donc c'était une édition essentielle, mais malheureusement en anglais. Donc bon, je vous fais mon montrer l'intérieur, c'est complet, il y a notice, il y a tout. Malheureusement, c'est juste la jaquette qui est en anglaise. Donc on verra si je l'échange ou je me le remets en vente. On verra bien. Je vais récupérer pour la somme de 2 euros. Et pour la somme de 2 euros aussi, je récupère enfin le jeu Monopoly Street sur PS3. Marqué départ. Alors ça s'est fait par Hasbro. Bon, Monopoly, vous connaissez. Bon, il y a la notice, il y a le CD. C'est en français, hein. C'est écrit dessus la version classique du Monopoly. Ah, par contre, c'est dégueulasse, hein. J'ai pas fait gaffe, mais c'est complètement dégueulasse l'arrière. Ah mon dieu, c'est horrible. J'ai oublié de dire le numéro, c'est le numéro 954 pour le Monopoly et c'est le numéro 121 pour le Lego Star Wars. Donc j'ai payé 4 euros les deux jeux PlayStation 3. Et la journée Lego aujourd'hui, puisque j'ai récupéré un autre Lego, mais cette fois-ci c'est Harry Potter, année 5 à 7. Bon, je l'ai eu pour la somme de 5 euros. Je sais pas si j'avais négocié, je sais plus tout. Vous regarderez la vidéo, mais il me semble que, ouais, je sais plus. Donc, j'ai récupéré ce petit Harry Potter Lego année 5 à 7, comme la boutique 5 à 7. Il y a la notice, il y a le CD. Bon, par contre, c'est bizarre, le CD n'est pas la même couleur que la jaquette. Généralement, ils font, voyez, ils font la même chose. Bon, enfin bref. Là, ça a dû être acheté à Micromania parce que je reconnais cette petite étiquette. Bon, il est en français, la bataille approche, c'est numéro 1348, donc on aura les trophées pour ce jeu Lego Harry Potter. Et on continue avec les Lego, puisque je rentre sur PS3 le jeu Lego, le Seigneur des Anneaux. Donc je sais plus combien j'ai dû payer 2-3 euros, un truc comme ça, bon enfin bref, c'est dans ces eaux-là. C'est numéro 1516, c'est écrit dessus là, ah, bien sûr vous verrez pas là, 1516. Donc il est complet, c'est ça. Ah non, peut-être pas, non. Malheureusement, il n'y a pas la notice du jeu Lego Seigneur des Anneaux. Malheureusement, il n'y a pas la notice. Bon, le jeu est en français quand même. Regardez, rejoignez la plus grande aventure de tous les temps. De tous les temps. Donc très content parce que je ne l'avais pas dans la collection de jeux Lego. Je récupère aussi ce jeu PS3 pour la somme de, je crois que c'était 3 euros celui-là, il me semble, un truc comme ça, 3 euros, 3,50 euros, je sais plus en fait, j'arrive pas à me rappeler du prix, mais c'est dans ces eaux-là, c'est le Dragon Ball Rising Blast, j'ai cru qu'il y avait marqué quelque chose, mais non, c'est en japonais. Donc vous connaissez tous Dragon Ball Z, hein, Rising Blast, je pense que tout le monde connaît. Le jeu est complet, avec notice, CD, et en plus en français, hop, j'ai failli tordre la notice à l'arrière. Donc ce jeu cote un petit peu, hein, une vingtaine d'euros, pas plus. Bon, j'ai payé 3 euros, donc je pense que j'ai fait une bonne affaire. Takeshi passe au niveau supérieur. C'est écrit dessus, là. Il passe au niveau supérieur. Donc, par contre, le duo, il n'y a que le japonais et l'anglais. Donc l'anglais, c'est mort. Hein. C'est hors de question que j'écoute ça en anglais, c'est mort. Mes oreilles m'ont saigné du sang, donc c'est mort. Qu'est-ce que ça nous raconte, hein, plonger au cœur des combats et à la vitesse de l'éclair pour revivre les combats cultes de l'anime original. Combattez en ligne championnat du monde, en mode combat solo ou combat en équipe. Des environnements incroyables, vastes, interactifs et destructibles pour une intensité inégalée. Contrôlez plus de 70 personnages et leurs transformations, chacun possédant sa propre attaque spéciale et de nouvelles combinaisons. Donc ça c'est à tester, donc on fera ça en SP NT4 en espérant que j'ai réussi à régler le problème. Parce qu'il y a un problème de son sur la PS3, ça fait un son désagréable et on n'entend même pas le son. Donc, j'espère faire let's play ce jeu là. Chose assez rare, mais ça arrive quand même, puisque j'avais récupéré la semaine dernière, vous vous rappelez, j'avais récupéré un jeu PlayStation 2 en édition boîte cartonnée. Et je le re-récupère, puisque je re-récupère le Shadow of Colossus sur PlayStation 2 en édition encore cartonnée. Donc je l'ai payé la somme de 2 euros, donc incroyable de retrouver encore une fois le même jeu. Donc il y a le fourreau cartonné, il y a ceci, il y a le CD qui est un petit peu rayé par rapport à l'autre, hein, comparé à l'autre il est un peu plus rayé que l'autre, et bien sûr il y a la notice qui est ici. Le jeu, bien sûr, est en français. Vous voyez, c'est écrit sur la jaquette. Donc, très étonnant, je re-récupère un Shadow of Colossus, surtout que ce jeu coûte un tout petit peu, hein, c'est pas non plus une fortune. Mais très content d'avoir récupéré ce Shadow of Colossus pour la deuxième fois, hein, pour la somme, cette fois-ci, de 2 euros, parce que la dernière fois, je l'avais rentré pour la somme de 5 euros. Là, je le re-rentre pour la somme de 2 euros, le Shadow of Colossus.
Comme vous avez pu le voir dans ma vidéo, j'ai rentré pas mal de mangas. Bon, je vais pas vous les présenter parce que déjà, rien qu'au niveau des jeux, franchement, c'est bon, je suis refait. J'ai pas besoin de passer de plombes à vous faire montrer chaque manga que j'ai récupéré. Donc, on va passer à l'unique et seul Blu-ray que j'ai récupéré. C'est le Blu-ray d'un film que je ne connaissais pas. Il y a deux films, exactement. Ça s'appelle Détective D. Il est sous blister et je l'ai payé la somme de 1 euro. Je sais pas pourquoi il m'a proposé 1 euro. Je pense qu'il y a dû croire que c'était un DVD ou je sais pas quoi. J'ai regardé sur internet, ce petit Blu-ray cote quand même pas mal. Hein. J'ai regardé, il y en a un seul sur Vinted et il est à 60 euros. Et il est déblisté, donc assez incroyable de voir ça. Bon, malheureusement, il est un petit peu abîmé ici. Donc, ça, je vais le découvrir. On va voir à quoi ça ressemble ce truc. Détective D, je ne connais pas. Il y a deux films, il y a Détective D, le mystère de la flamme fantôme, et Détective D, 2, la légende du dragon des mers. À voir, on va regarder ça, on verra si ça vaut le coup. Donc c'est 9 sous blister, vous voyez, il y a même le truc RTL là. Donc je suis très content d'avoir récupéré ça, comme ça je verrai à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors là on va passer à un lot de jeux, deux jeux PlayStation 1 que j'ai payé 12 euros le tout. Donc vous allez voir, ça comprend déjà le Scrabble sur PlayStation 1. Donc on fera l'esprit là-dessus. Bon, le Scrabble c'est comme le jeu de société, hein, le Scrabble. Il est en parfait état, regardez-moi ça, c'est nickel. La notice, elle est nickel. Il y a même la petite carte publicitaire, là, ici, hop, qui est ici, voilà, hop, c'est Ubisoft. Et regardez-moi ça, comme c'est nickel, bon, le CD était en vert, mais regardez-moi ça, il n'y a pas un pet de rayure. J'essaie de vous faire montrer, mais il n'y a pas un seul pet de rayure, il est en parfait état, voire carrément neuf. Il est neuf, il a juste été déballé, puis hop, il n'y a pas été joué. Donc il y a la petite publicité, il y a la petite notice, et puis le jeu, bien sûr, c'est plus agréable pour jouer. Il est en français à l'intérieur. Un jeu de Scrabble, somme toute classique, mais sur la PlayStation 1. Il est en très très bon état, la boîte, bon, il y a juste un petit peu à nettoyer, mais sinon, il est en très bon état. Deuxième jeu que j'ai récupéré sur la PlayStation 1, c'est un jeu que j'ai récupéré la semaine dernière, mais juste en boîte, mais cette fois-ci, je le récupère en édition. Ceci Black Label est complet, c'est le jeu Tekken 3. Donc Tekken 3 en Black Label, il y a juste une fêlure ici et là, et sinon il est en bon état. Il y a juste un nettoyage à faire aussi là au niveau de là, mais sinon voilà, je possède enfin le Tekken 3 sur PlayStation 1. Surtout que la version Black Label cote pas mal. Je l'ai vu à 40 euros sur Vinted, entre 30 et 40 euros. Donc je savais même pas que ce jeu cotait autant. On a une petite publicité sur les jeux Namcom. Voilà, vous pouvez voir PlayStation.com. On a la notice. Il me semblait que la notice était beaucoup plus grosse sur la version Platinum. Je me trompe. Et nous avons le Graal, le Saint Graal, le CD. Alors, attention, je n'ai pas regardé s'il était en bon état. On va voir. Attention. Ah, il est en parfait état, sauf qu'il a la poussière. Mais sinon, il est en parfait état, le Tekken 3. Regardez-moi ça. Il y a juste des poussières. Il n'y a pas une seule rayure. Donc pour la somme de 12 euros, ça vaut vraiment le coup d'avoir récupéré ces deux jeux. Bah dites-moi en commentaire si j'ai fait une très très bonne affaire ou pas. Et là, nous allons passer au dernier loot que j'ai récupéré. J'ai récupéré deux jeux PlayStation 5. Je le cherchais d'ailleurs depuis un moment et je l'ai enfin récupéré. Vous avez pu le voir en vidéo. C'est le jeu, on va commencer par le premier, le Goldorak, le festin des loups. Donc très content d'avoir récupéré ça, en plus il est neuf sous blister, vous voyez, il y a le logo PlayStation. Donc voilà, vous connaissez tous Goldorak, hein, le fameux tiré de l'anime. Donc là, on essaiera, bon je sais qu'il est très buggé, c'est fait par Microïd, là vous voyez, Microïd, c'est pas une boîte bien réputée hein, pour ça, ce genre de jeu. Et justement, le deuxième jeu, vous allez voir, c'est aussi fait par Microïd, vous avez pu le voir de toute façon en vidéo. Alors ça dit quoi ce jeu? Montez à bord de Goldorak et combattez les forces du mal. Exécutez les célèbres attaques du robot géant, détruisez les terrifiants Golgoth et sauvez la Terre. Voilà, je suis très content d'avoir récupéré ce jeu, on le fera en let's play. Regardez, même le logo Microïd ici, ils ont osé le mettre sur la tranche. Donc, le deuxième jeu que je récupère, c'est son édition limitée de Tintin et le cigare du pharaon. Donc je le cherchais depuis un moment ce petit jeu, mais bon, à bon prix. Là, en l'occurrence, c'était un bon prix puisque j'ai récupéré les deux jeux PS5 pour la somme de 30 euros, ce qui revient à 15 euros limité le jeu.
Donc 15 euros le Tintin et le Sicard du Pharaon, franchement ça se prend. En plus il est neuf sous blister. Bon, ça a été fait par Microïd. Ce jeu il est bourré de bugs. Et apparemment il y aura une suite à ça, donc on va voir ce que ça va donner. Bon, par contre Tintin, il a pas une gueule de Tintin. Hein. À part la mèche là-haut, là, il n'a pas une gueule de Tintin. Par contre Milou, oui. Milou, oui, il ressemble vraiment à Milou. Hein. Après, à découvrir si les autres personnages ressemblent aux personnages. Donc déjà je vois Dupont et Dupont. Donc ils ont l'air de bien ressembler à Dupont et Dupont. Donc la boîte est pas en français, mais c'est pas très grave, on s'en fiche, hein. Il y a de l'anglais, tout ça. Donc on le fera en let's play, vous avez pu le voir d'ailleurs, en let's play sur ma chaîne à l'heure actuelle. Donc très content d'avoir récupéré ces deux jeux. Donc comme vous le savez tous, j'ai quand même réussi à négocier. Il en voulait déjà à la base, il en voulait 20 euros l'unité. Donc moi je lui ai proposé 30 euros, il a dit oui. Donc je suis très content d'avoir récupéré ces deux jeux PlayStation 5 pour la somme de 30 euros, soit 15 euros l'unité le jeu. Du coup c'est tout ce que j'ai récupéré. Je vous ai pas fait montrer les mangas, ça c'était trop long à montrer, puis de toute façon ça n'allait pas peut-être forcément vous intéresser. Donc du coup, voilà, ce compte rendu est terminé. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, commentaire et surtout abonnez-vous, ciao !